قال وقد اشترى سبحانه من المؤمنين أنفسهم وجعل ثمنها جنته وأجرى هذا العقد على يد رسوله وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. فتأمل سميتال، قال ابن القيم وجعل ثمنها جنته. والمحقق في الحاشية إلى ست الفرسين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين، أي سأنشأ. فلهذا قال ابن القيم وجعل ثمنها جنته وأجر على هذا العقد على وأجر هذا العقد على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأمل هذا البيع، أي cette vente، réfléchis bien. السلعة، la marchandise، c'est ton نفس était bien. C'est ça la marchandise. الله سبحانه وتعالى اشترى منك ton نفس était bien. فتُ les a vendu. المشتري، celui qui a acheté، c'est Allah سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين. الثمن، le prix. أي أنت tu as vendu ces choses. Et quand tu vends, il y a un prix. Il y a un prix. نعم. C'est quoi ton prix؟ ta demande. الجنة. قال عز وجل بأن لهم الجنة الذي أجرى العقد. Une vente en général, il y a quelqu'un pour faire العقد. Un contrat. أنه تشتري telle maison, أنه تشتري telle voiture. فسي كي هنا؟ C'est le prophète محمد صلى الله عليه وسلم. هذه سأفضل تجارة que tu puisses faire أخي الكريم. فne te prive pas. Et tu n'as pas le choix في هذا. T'es obligé de te soumettre. لأن ce corps c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé là, il appartient à Allah, il t'appartient pas à أنت. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut لكن تفضلا من. Et Allah c'est le ghafour, c'est le rahim, c'est le kerim. Il achète mink. Ton nefs était bien alors qu'il lui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. لكن pour que tu fasses des causes, tu sois reconnaissant et Allah subhanahu wa ta'ala il te donne al-jannah en échange. قال ابن القيم رحمة الله عليه فسلعة رب السماوات والأرض مشتريها والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم والسماع كلامه منه في داره ثمنها. Donc cette سلعة أي cette marchandise ton نفس était bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'achète. Le prix والمتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم والسماع كلامه منه في داره ثمنها. الجنة et في الجنة تقدم معنا الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كذلك المؤمنون في الجنة يذرون الله سبحانه وتعالى يزنتندرون الله سبحانه وتعالى ففي الحقيقة المسلم اللي قال et le perdant c'est celui عياذا بالله qui se soumet pas à Allah عز وجل et qui obéit pas à son prophète صلى الله عليه وسلم. قال ومن جرى على يده العقد رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس. Est-ce que l'aqil va échanger cette tijara? On te propose un tes biens et ton nafs, ton corps, tu les vends à Allah subhanahu wa ta'ala pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais des efforts et si tu patientes jusqu'à que tu meurs à هذا الحال بإذن الله عز وجل tu as le jannah éternellement. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Tu profites et tu as ce que tu veux. Ça c'est la première vente. واحد لا il préfère vendre son nefs عياذا بالله الشيطان à son nefs et il suit ses passions et il ne fait aucun effort عياذا بالله بثمن بخس كما قال ابن القيم أي avec un prix عياذا بالله ça vaut rien. Qu'est-ce qui va profiter l'insan? Il va profiter 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec bien sûr des maladies, avec des souffrances, avec des regrets. Si on prend l'un, comme a déjà fait le hadith, celui qui a le plus profité fait de dunya. Wahed, fait de dunya, l'achat, c'est lui qui a le plus profité. Yom al-qiyama, cette personne qui a le plus profité fait de dunya. Robama, il a une longue durée de vie, Robama, il n'est pas tombé malade, Robama, il a profité des shahawad, haram, iyadam billah. يوم القيامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسوغى ترمبي لحظة في النار لحظة أمومو يسوغى ترمبي في النار فيقال له est-ce que tu as déjà profité de quelque chose يقول لا أبدا j'ai jamais profité de quelque chose
لأن cet instant في النار il a tout oublié. وفي المقابل un autre أنه c'est celui qui a le plus souffert في الدنيا. لكن c'est un مؤمن. لكن il a été éprouvé dans ses biens, dans sa santé, dans beaucoup de choses par les ennemis d'Allah عز وجل. فإن il a pas beaucoup profité في الدنيا. لكن il a patienté. Et في الحقيقة il a profité في عبادة الله. Et il était فرحة. لكن on parle من حيث les profits, le matériel, etc. Il sera trempé مرةً واحدة لحظة في الجنة. ثم يقال له est-ce que tu as déjà souffert? Et il يقول لا أبدا, j'ai jamais souffert. فسسا الميزان الحقيقي. فاحذر من فتنة الدنيا. احذر من الشيطان ومن جنود الشيطان. Ils font tout pour qu'on profite de cette dunya. Ils veulent qu'on fasse comme eux. عيادا بالله. قال كيف يليق بالعاقل أن يضيعها ويهملها ويبيعها بثمن بخس. فدائما أنت أخي الكريم on se rappelle de هذا أن cette dunya c'est comme un échange, c'est comme une vente, c'est comme une tijara que tu es en train de faire. Fais cette tijara avec رب العالمين الغفور الرحيم. Fais attention de ne pas faire cette tijara, cette vente avec Iblis ou Junud Iblis qui n'ont aucune rahma pour toi. قال في دار زائلة مضمحلة ثانية. Et cette vente, la deuxième, عيادن بالله. Même si on te donne toute dunya, et tu dois délaisser ton din, wallahi que tu seras perdant. Liana, ça ne restera pas. Comme minanas, ils ont réussi à arriver à un certain niveau. Ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont eu des maisons, ils ont eu. Ça a duré un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Ba'dhum, comme vous savez, Obama, il se suicide. Des célébrités, là, ils ont atteint un haut niveau filmateur, etc. À la fin, c'est quoi la fin? Il se suicide. Même s'il ne se suicide pas, il mourra. Enfin, il va profiter comme 30 ans, 40, 50, 60, 100 ans maximum. Thumma al-qabr. Thumma al-hashr. La résurrection. Thumma al-hisab. Et après al-hisab, fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Qala wa hal hadha illa min a'zam al-ghabn. وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن. الغبن c'est la perte. عيادا بالله. فcelui qui vend son âme, qui vend ses biens à الشيطان et à الدنيا, فلا شك أنه sera perdant. لكن c'est quand qu'il se rendra compte? يوم التغابن. Et في القرآن الكريم سورة التغابن. Et Allah سبحانه وتعالى استحى لهؤلاء. قال إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. يوم القيامة ça sera plus une histoire d'argent ou une histoire de rang social ou une histoire de passeport. Tu peux rentrer dans ce pays, tu ne peux pas, tu as de l'argent ou tu n'as pas d'argent. C'est ça le mizan الآن في الدنيا عند كثير من الناس. Et regarde pas الصلاح والتقوى والعلم. يوم القيامة الميزان ça sera pour peser Al-Hasanat wa Sayyat. Il n'y a plus de passeport, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de connaissances, tout ça, il n'y a pas Fidjan. Il n'y a pas Yawm al-Qiyamah. C'est Bil-Hasanat wa Sayyat. Faman thakulat mawazinuhu, fahuwa fi ishatin radiyah. Waman khaffat mawazinuhu, fa ummuhu hawiyah. Wama adraka ma hiya, narun hamiyah. Yawm al-Qiyamah, c'est هذا celui qui aura beaucoup de Hasanat, tawhidun. صلاة صيام حج هجرة علم صبر أخلاق متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو في عيشة راضية. تأمل قوله عز وجل فهو في عيشة راضية. Il sera satisfait. Allah est satisfait de lui et lui sera satisfait. Et l'autre عيادا بالله فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أي فمن خفت موازينه celui qui aura un mizan خفيف pas d'a'mal ou peu, kufr, shirk, ila akhir, iyadan billah, fahala, ça sera quoi le, son refuge? Narun hamiya. Un nar, le feu, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié ce feu, hamiya. Alors que le feu, c'est brûlant, lakin, huna, il est qualifié de hamiya, c'est un adab shadid. Et dans l'autre verset, qala azza wa jal, wal waznu yawma idhin lil haqq, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. تأمل قوله عز وجل والوزن يومئذ الحق. أي ce jour-là le wazn
ça sera bihaq, bi'adl. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de mensonge. C'est bihaq. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Tu veux réussir, fais des efforts pour que Al-Mizan y penche du côté des hasanat. Comment faire? Sincérité, sois sincère et suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour être sincère et pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois faire des efforts. Enfin, tu as trois choses. Ilmun, fais des efforts. Bien sûr, sincérité, fais pas ça pour les gens. Et applique sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce que tu apprends, applique-le. Mais idnillahi azza wa jal, tu feras partie de ha'ula. Fa'ula'ika hum al-muflihun. Thumma qala azza wa jal, wa man khaffat mawazin. C'était pas un musulman, rubbama. Son mizan, il trouvera rien yawm al-qiyama. Qala faman khaffat wa man khaffat mawazinuhu fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum. Khasiru anfusahum, ça sera lui le perdant. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de ses a'mal. Allah, c'est le ghani, c'est le hay, c'est le qayyum. C'est l'ahad, c'est le samad, il n'a besoin de personne. Bel c'est al-makhlouq qui a besoin d'Allah azza wa jal. Falihada qala huna azza wa jal, fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum. Ils se sont conduits eux-mêmes à leur perte. Ils ont tout perdu. قال بما كانوا بآياتنا يظلمون الظلمة. Ils n'ont pas accepté le haq. Ils n'ont pas voulu se soumettre à Allah Azza wa Jalla. Ils n'ont pas voulu unifier Allah Subhanahu wa Ta'ala fil ibada et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam wahda. فلهذا قال عز وجل بما كانوا بآياتنا يظلمون الظلمة. بعضهم عياذا بالله الآن يسموك جدين. بعضهم الآن يسموك de ceux qui appliquent الدين. بعضهم الآن عياذا بالله ظلم. Ils mettent pas les choses à leur place. Ils adorent autre qu'Allah. Ils suivent autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils aiment des idoles en dehors d'Allah Azza wa Jalla. هؤلاء يوم القيامة ils seront perdus et ils auront, ça sera eux-mêmes عياذا بالله qui se sont conduits à leur perte. Et eux-mêmes عياذا بالله. قال ابن القيم رحمة الله عليه وإنما يظهر له هذا الغبن الفاحش يوم التغابن. فائدة عظيمة هنا أن أبلي با سجور لأن si tu te rappelles de ce jour بإذن الله عز وجل tu te corrigeras الآن. أما يوم القيامة c'est trop tard. يوم القيامة c'est دار جزاء حساب. Le mizan sera placé et tout le monde sera interrogé et les œuvres elles seront pesées. Il n'y a plus de moment pour faire l'amal. Là, c'est fini. L'amal, ça s'arrête après la mort. Sauf dans certains cas, bien sûr, comme il y a dans le hadith Anas, radiyallahu anhu. Waladun salih yad'u la sadaqatun jariya ou ilmun. Il a délaissé un ilm, les gens y profitent. Wa illa, ça s'arrête. Celui qui se rappelle de yawm al-qiyama, c'est nafi' jidda. Kun fi dunya ka annaka gharib. Cette dunya, c'est comme si tu étais un voyageur. Wa ibn Umar, radiyallahu anhu, après avoir rapporté le hadith, il a rajouté. فَإِذَا كُنْتَ فِي الصَّبَحْ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءِ. Si tu es au matin, n'attends pas le soir. أَمَّنُوا cette نَصِيحَ الذَّهَبِيَّ de ce sahabi radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَارِبٌ. Et sois dans cette dunya comme si tu étais un étranger. Et Ibn Umar radiyallahu anhu, il a rajouté si tu es le matin, tu es arrivé le matin, n'attends pas le soir. N'attends pas, mais t'adrais, tu ne sais pas. Enfin, celui qui a cette aqida, annahu, il peut mourir à tout moment. Et كذلك, il pense à Yawm al-Taghabun. Il pense au jour des comptes. Ces deux choses, la mort, et il pense qu'Annahu il sera ressuscité, il a akhiré, ça va l'aider jiddan. Il saura que cette dunya faniya. Fala yafrah biha. La. Tafrah bid-din, tafrah bil-ilm. Amma cette dunya, comme minan nas, ils ont beaucoup d'argent, il a akhiré, et Allah subhanahu wa ta'ala yubghidhuhum, c'est des kafara. قال إذا ثقلت موازين المتقين وخفت موازين المبطلين. C'est quoi qui va alourdir cette balance? التقوى. لا غير. C'est pas la force, c'est pas le poids, c'est pas la famille, c'est pas les enfants. أبدا. C'est pas ta nationalité, c'est pas ta couleur. Ce qui va alourdir la balance, c'est التقوى. Et التقوى, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala bi'il, en suivant la sunnah, et s'écarter des ma'asi. Par crainte d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça le taqwa. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala min fadlih. Wa naktafi bihada al-qadr. Wa alhamdulillah.